instant. Permettez que je jette un rapide coup d'œil. Je vous promets d'être bref. Bonté divine, en voilà une sacrée musculature. Capable de toute une variété d'actes de violence, je présume. Qu'est-ce qui se passe? Ah, c'est sûrement l'écureuil qui prend soin de l'arbre-monde. Cet appétissant arôme serait-ce... Pardonnez l'intrusion. Ah oui, de la résine d'ambre, petit goût de noisette et notes d'encre de sèche. Non. Monsieur n'aime pas les expériences gastronomiques? Attends, si tu es Ratatosk, pourquoi tu es si différent quand on t'appelle à l'aide? C'est une longue histoire. Mais tu as raison, je suis bien Ratatosk. Le Ratatosk que tu connais n'est rien qu'une de mes projections spectrales, et pas la plus amicale, malheureusement. Je la trouve si éloignée de moi que je la considère presque comme quelqu'un d'autre. Et à ce propos... Amer, veux-tu bien te montrer et saluer nos amis? Lâche-moi, j'ai affaire! Je suppose qu'il fallait s'y attendre. Mais passons! Maintenant que j'ai lustré toute cette jolie résine, veux-tu reprendre la graine? C'est donc une graine. En effet, et une graine d'Yggdrasil, plus précisément. Mes pensionnaires nains ayant procédé à quelques menus réaménagements, vous aurez besoin de ces graines pour ouvrir de nouvelles destinations dans mon arbre. Ton arbre, hein? Oui, mon arbre. Tiens, je vais te montrer. Je comprends mieux pourquoi Maître Brock avait besoin d'une graine d'Alfheim. Vous devez avoir des affaires importantes à régler.